Parmi le matériel complémentaire pour une bonne pratique photo, il y a les filtres et en particulier le filtre ND, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, je suis Julien, bienvenue sur Traitement Noir et Blanc, la chaîne qui parle de traitement photo, de pratiques photo et surtout en noir et blanc. Le décor est un peu inhabituel, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des arbres qui se font tronçonner en ce moment. Alors, dans l'endroit où je suis, c'est pas gênant parce que j'avais des photos à y faire et le bruit, ça ne s'entend pas sur les photos. En revanche, en vidéo, c'est un peu plus gênant. Donc, là, on entend encore un peu la tronçonneuse. Je sais pas si ça va s'entendre à la vidéo. J'espère que ce sera pas un massacre à la tronçonneuse. Aujourd'hui, on parle du filtre ND et ce qu'on peut dire, c'est que parfois, on a l'impression que notre matériel est limité. Alors on fait ce qu'il faut, hein. On se forme, on est attentif à notre composition, on est bien attentif à renouveler les sujets, de prise de vue, etc. Mais malgré tout, à un moment ou à un autre, on en a un peu marre de notre boîtier ou de notre objectif et on se dit qu'on aimerait bien évoluer et que cette évolution passe par une évolution matérielle. Alors les différentes marques d'appareils photo sont très fortes, hein, au niveau marketing pour créer des besoins qui parfois n'existent pas, notamment le besoin dans un nouveau boîtier. Voilà, le nouveau boîtier avec la killer feature qu'il nous faut absolument acquérir et qui va améliorer grandement nos photos. Alors c'est le jeu du commerce, hein. Faut bien vendre des appareils photo et je comprends tout à fait, mais c'est un peu un leurre parce que la limite vient rarement du boîtier lui-même. Certes, on évolue avec un meilleur boîtier, ça il n'y a pas de doute, hein. J'irai pas cracher sur un excellent appareil photo. Ceci dit, avant de penser à un nouveau boîtier, il y a d'autres choses à penser pour améliorer son matériel et qui coûtent moins cher souvent qu'un nouveau boîtier. On avait vu notamment qu'une limitation arrivait souvent dans les basses luminosités. Et là, tout simplement, une focale fixe type 35 mm à très grande ouverture était un bon premier matériel à s'acheter en complément de son appareil photo. On en avait parlé notamment dans la vidéo que vous retrouvez en description et dans les fiches de la vidéo. Alors ça c'est super, hein, un objectif à grande ouverture pour les basses luminosités, mais qu'est-ce qu'il en est quand il y a trop de luminosité? Ça paraît bizarre, hein, c'est vrai que la photo, photographie, ça veut dire écrire avec de la lumière, donc a priori on aime bien la lumière, mais parfois il y a trop de lumière. Et c'est là justement qu'intervient le filtre ND. Le filtre ND, grosso modo, pour vous le décrire facilement, c'est un peu comme des lunettes de soleil pour votre objectif quand il y a trop de lumière. Filtre ND. ND, ça veut tout simplement dire neutral density. Neutral density en termes de couleur, c'est-à-dire que c'est pas un filtre qui est teinté vert, rouge ou que sais-je encore. C'est un filtre vraiment qui garde les couleurs d'origine, mais qui permet d'atténuer la lumière qui arrive devant votre objectif. Il en existe de plusieurs types, hein, on y reviendra, ça joue au niveau de la qualité. Il y a le plus qualitatif, c'est les filtres ND fixes. Donc là, dans ce cas-là, il faut un jeu de plusieurs filtres ND pour avoir toutes les configurations possibles, ou moins qualitatif mais un peu plus pratique, le filtre ND variable. Un filtre ND variable, notamment, ça peut ressembler à ça, enfin ça ressemble à ça même, ça c'est un filtre ND variable qui permet donc de varier l'opacité que vous apportez en termes de lumière à votre objectif. L'utilisation la plus connue, qui vient tout de suite à l'esprit, du moins des filtres ND, c'est les poses longues en pleine journée. Alors les poses longues en pleine nuit, ça, il n'y a pas de problème, hein. On met une pose longue et ça le fait bien, mais en pleine journée, on a un problème de lumière. Parce que faites une pose longue, ne serait-ce que de 2 ou 3 ou 4 secondes quand il y a beaucoup, beaucoup de soleil, très vite, il y a beaucoup trop de lumière et vous êtes surexposé. C'est là où il faut mettre votre lunette de soleil devant l'objectif et c'est là qu'intervient le filtre ND. L'utilisation la plus connue des poses longues en pleine journée, c'est notamment les photos de cascade, comme vous voyez sur la photo, là notamment avec cette lumière qui semble filer avec un aspect très laiteux de la lumière. Ça, voilà, c'est une utilisation type du filtre ND, mais on verra dans la deuxième vidéo, hein, qui sortira la semaine prochaine, qu'il y a d'autres utilisations peut-être plus pertinentes au quotidien du filtre ND. Un autre intérêt, alors qu'on n'abordera pas ou peut-être bien plus tard sur la chaîne, parce que c'est pas la vocation de la chaîne, mais c'est tout simplement pour la vidéo. Parce que la vidéo, donc, alors je vous la fais courte, hein, mais on est obligé d'avoir en général une vitesse d'obturation qui est fixe. En général, si on tourne à 25 images par seconde, on a une vitesse, un obturateur réglé au 50e et qui est fixe. Donc on ne peut pas jouer là-dessus pour avoir un apport de lumière. Du coup, s'il y a trop de lumière, on est obligé de mettre un filtre ND pour que la scène qu'on filme ne soit pas surexposée. Un filtre ND est caractérisé par sa transmittance. Alors c'est un terme barbare, mais il faut savoir que ça va de ND2 pour une faible transmittance à ND400 en standard. Après ça va encore au-delà, mais ce qu'il faut retenir c'est que ND est suivi du chiffre et plus ce chiffre est grand,
plus ça fait une lunette de soleil, si je puis dire, opaque, qui coupe la lumière. Il y a des articles qui permettent d'avoir le détail de la correspondance entre la transmittance et l'assombrissement. Vous pouvez simplement retenir que plus le chiffre est grand, tout simplement, plus vous apportez une opacité de la lumière à votre objectif. Comment s'équiper en filtre ND? La première chose à faire, c'est tout simplement de repérer le diamètre de votre objectif. En effet, il y a plusieurs diamètres selon les fabricants et selon les pas de vis. Tout simplement, le diamètre se repère, par exemple, là vous voyez une photo sur Nikon. Tous les objectifs mettent ce symbole, vous savez, du zéro barré, qui ressemble un peu au symbole ensemble vide, mais là, ça veut dire en fait diamètre. Par exemple, là, c'est un diamètre 52 d'un objectif Nikon APS-C 35 mm. À vous de repérer le bon diamètre pour avoir un filtre compatible. Comme j'avais commencé à l'évoquer, la qualité est légèrement supérieure avec les filtres fixes. Donc dans ce cas-là, c'est vendu par jeu de filtres ND en général. Vous avez un ND2, un ND4, un ND8, etc. dans le jeu de filtres. Ou alors, c'est vendu avec un seul filtre qui est variable. La marque Zomei propose notamment des filtres ND variables aux alentours de 25-35 € pour à peu près tous les diamètres. Je vous mets un lien si vous ne savez pas comment vous les procurer dans la description de la vidéo. La semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, on verra une utilisation concrète du filtre ND avec un exemple de texture sur l'eau avec un traitement très particulier sous luminar en noir et blanc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y a une vidéo qui sort tous les vendredis ainsi que des vidéos de sorties photo qui sortent parfois en semaine. Et pour ne rien rater, donc abonnez-vous, mettez la cloche. Je vous invite à aller faire un tour dans les fichiers en description où il y a toutes les ressources dont on a parlé dans les vidéos ainsi que le lien vers l'article qui a inspiré justement cette vidéo. À bientôt, faites de belles photos, ciao.